Après la grosse séquence d'ouragans ayant touché les Caraïbes et jusqu'aux côtes des États-Unis, la FCC, Federal Communication Commission, a voulu rappeler l'importance de proposer une fonction radio FM dans les smartphones pour pouvoir livrer un minimum d'informations quand les réseaux sont saturés ou désactivés. iPhone 8 Plus, l'autorité constate notamment que plus de 90% des réseaux mobiles de Porto Rico et les deux tiers des antennes relais des îles Vierges sont toujours hors service après le passage des ouragans. Elle fait observer que la plupart des fabricants de smartphones intègrent cette fonctionnalité, qui peut être disponible ou dormante. Avec ses iPhones, Apple reste l'une des rares exceptions sur le marché en ne proposant pas cette fonctionnalité. Le président de la FCC, AJP, a donc lancé à la firme de Cupertino un appel pour activer la radio FM dans les iPhones. Apple a répondu par la négative en indiquant que les iPhone 7 et les nouveaux iPhone 8 ne disposent ni des puces ni des antennes permettant une réception FM. La radio FM, fréquemment fournie, dans des solutions combinant Wi-Fi et Bluetooth, permettant un fonctionnement contrôlé et sans interférence, mais Apple ayant tendance à ne pas s'aligner sur les solutions standards, il est possible que le fabricant ait fait le choix de ne pas l'intégrer. La firme californienne indique que les iPhones sont compatibles avec les solutions de secours modernes, comme l'appel au service d'urgence, ou la possibilité de recevoir les messages d'alerte des différents services gouvernementaux, dont ceux de la météo.